Retour sur le plateau. Nous avons nos amis qui sont installés. Nous avons d'ailleurs un membre que nous accueillons. Il est nouveau. Qu'est-ce que j'ai là, moi? Voilà. Ah, d'accord. En fait, c'est d'accord. Je vais commencer par les femmes. Vous êtes d'accord, messieurs? Vous êtes gentils, hein? D'accord. Maman Diabagaté, bonjour. Bonjour. Kadidia Bomba Diabagaté. Là, j'ai tout donné. Oui, la carte d'identité est sur la table. Elle est paysagiste. C'est un plaisir de l'avoir avec nous régulièrement. Anayonta Nyamke Kamara, c'est ça? L'ordre est bon. Parce que dans cette affaire-là, tu peux créer un incident diplomatique. Oui, Diplomatique. oui. Non, l'ordre est bon. Wedding planner, donc organisatrice de mariage, on va dire d'événementiel. Elle se porte bien. Super bien. Super bien. Elle Un doit peu être. fatiguée, mais Ah, bon. j'imagine, parce que décembre, ça court un Décembre, peu, hein. hein. Mais hier, je suis rentrée à minuit déjà. Et Wow. puis, bon, mais il fallait être à l'appel Oh, moi, je veux pour les bien donner un amis. coup de main, mais pour la comptabilité. Mais Oui, bon, il n'y a pas de souci. moi, Ça se signe quatre je... sur table. Au niveau des hommes, nous connaissons déjà Franck Vlei pour être habitué à sa présence sur notre plateau. Et puis nous avons. Non, bonjour Franck, voilà. Faut pas que. Non, non, il dit bonsoir parce que je pense qu'il est resté. Il a raté un épisode et là, il est bloqué à 23 h. Hicham Meroué, bonjour. Bonjour. Il est acteur. Je crois que je revois sa tête. Hein. C'est pas la victime, là. C'est Sam qui est là. Il va bien. Oui, il va super bien. Ça n'a pas été trop difficile de se réveiller. Non, pas le moins du monde. Moi, j'ai Ah. dormi tôt. Ah, bah voilà, donc. Contrairement à certaines personnes ici. Contrairement, il y a de la chance. Y en a qui ont dormi très tard. Il y a de la chance. Alors aujourd'hui, pour éviter qu'on dise, Mariam, tu fais défense en ligne, on a mis un homme, une femme de chaque côté. Donc de part et d'autre. Et on espère que les avis seront aussi partagés. On verra bien. La question, c'est quel cadeau offrir? C'est vrai qu'en fin d'année, généralement, on offre des cadeaux, notamment aux enfants. Et quel cadeau offrir à ses enfants? Faut-il tenir compte de l'âge? Faut-il se permettre toutes sortes de folies parce qu'on en a les moyens? Faut-il se donner des limites en tenant compte de quoi? Mais avant, moi, j'ai bien envie de demander, est-ce qu'en fin d'année, il n'y a qu'aux enfants qu'on doit offrir des cadeaux? Non. À Hicham. l'origine, je pense que les cadeaux étaient faits des deux parts. On s'échangeait des cadeaux. Donc les enfants doivent offrir des cadeaux à leurs parents Normalement, oui, aussi. pourquoi pas? Ah, tout petit là? Oui. Et s'il m'a fait une carte, c'est un cadeau. Un dessin. Un dessin. Donc il faut inculquer ça aux enfants dès le Oui, départ. normalement. C'est dans les deux sens. À D'accord. l'origine. À l'origine. Non, mais je pense que ça se fait déjà. Hein. À l'école, on demande aux enfants de dessiner déjà Non, mais ça, leurs c'est pas dans parents. toutes les écoles. Ouais, c'est ce qui est Bon, dommage. enfin, Ça, c'est ça, goût scolaire. il y a les... Mais quand même, les enfants dessinent une petite carte, ils mettent quelque chose, le Père Noël ou alors le sapin, ils offrent son parent. Mais c'est conditionné. Par. Ah, il faut que les parents aussi réagissent là. Alors, il a failli Donc. avoir tollé hier pendant la préparation. Il a failli avoir tollé parce qu'il y a quelqu'un qui estimait que qu'au-delà des enfants, lui, il doit recevoir son cadeau, mais pas le cadeau des enfants. Hicham, par exemple, a-t-il prévu d'offrir un cadeau à sa compagne? Oui, c'est une Hicham. surprise, je ne dirai pas quoi. Ah, mais on a fini. Non, 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 bon. c'est Donc, elle est déjà. en train de le Non, je regarder. serai plutôt pas dans la fête de Noël, mais dans la même période des fêtes. Donc, pour les fêtes de façon générale, Exactement. mais pas pour Noël, Oui, forcément. ça c'est prévu. D'accord. Ça, c'est prévu. Mais là, j'ai gâté tout. Ah. Non, ce n'est pas forcément gâté. Il y a la façon de faire. C'est Ça ça. peut surprendre. D'accord. Lui, il attend un cadeau pour les fêtes de fin d'année? En général, j'ai un cadeau. Je reçois un cadeau en fin d'année et donc je me prépare toujours également à offrir un cadeau parce que c'est bizarre lorsque vous recevez et puis Je n'avais pas vous prévu. n'êtes pas prêt à riposter. Eh bien, dis donc, Oui, c'est l'attaque, hein? important, oui. D'accord. Faut jamais t'attaquer comme ça en vain. Mais Adja ne réagit pas encore. Je suis sûre qu'elle nous prépare quelque chose juste après la réclame.